Bonjour les enfants. Oh! Hein! Ah! Avez-vous vu ça? Oui. C'est hot! Ils se sont fait des quoi? Des montgolfières. Des petites montgolfières. Pourquoi ils ont fait ça, vous pensez? Je sais. T'as aucune idée? Est-ce que t'as vu qu'est-ce qu'ils tiennent dans leurs mains? Eh ouais, ils tiennent une enveloppe. Est-ce que vous savez d'où ça vient, cette enveloppe? Comment? On dirait, hein? Ouais. Hey! Voulez-vous qu'on leur fasse faire un tour? À quoi ça vous fait penser quand vous voyez ça? Ouais. Est-ce qu'il y a une autre place qu'on avait fait un manège montgolfière une fois? À Niagara. Oui. Tu tournais la montgolfière. Wouhou! À la ronde. Ouais, là, ça fait vraiment comme à la ronde. C'est cool, hein? Est-ce qu'on regarde c'est quoi l'enveloppe? Oui. Ok, j'essaie de le détacher rapidement. Hop! Celle-là est à Damien. Hop! Celle-là est à Laurie. Est-ce que vous les ouvrez? C'est une lettre du Père Noël. Bon, ben. On dit bye bye au lutin. Bye. Vraiment beau, hein, ce qu'ils ont fait. Bon matin, les enfants! Comment allez-vous? Bien. Vous avez bien dormi? Oui. Avez-vous trouvé votre lutin aujourd'hui? Non. Comment ça? Vous avez pas cherché votre lutin ce matin? Non. D'habitude, il est facile à trouver. Ce qui serait là? Ah, t'as trouvé une note. C'est un indice. Attends, on va lire. Lis-le-moi. Un chou à cache-cache. Trouvez-moi. Indice. Salon. Hi-hi-hi. Donc, il serait où, tu penses? Dans le salon. Quelque part dans le salon. Laurie, tu l'as-tu trouvé? On le cherche dans le salon. Allez! Vite, vite. Mets ton jeu sur pause en attendant. Où est-ce qu'il serait? Où est-ce qu'il serait? Il n'est pas sous la couverte. Est-ce que tu as regardé dans les sacs? Peut-être caché dans tes sacs de Skylanders? Laurie, t'as-tu regardé sous les coussins? Regardons voir. Non, non, non plus. Il n'est pas derrière la guitare? Non. Ah! Oh, il est peut-être caché dans la caserne de Ghostbusters? Non? Non, c'est impossible, il peut pas rentrer là-dedans. Ah, il est pas là-dedans, tu sais, l'année passée, c'était caché. Non. On le voit pas du tout non plus. Je crois que c'est lui. Tu crois? Où ça? Là! Ah oui, elle est là!
Ah là là, coquine. Ok, puis Bouffetou, on l'a pas trouvé encore. Là! Là! Ben non, il est pas là. Mais oui, pourquoi? Ben, il nous a fait ça l'année passée, le coquin. Alors peut-être qu'il pensait qu'on le trouverait pas derrière l'arbre. Il s'est dit, ils vont pas regarder là, ils vont pas penser que je vais faire deux fois le même tour. Ah, le coquin. Bon, on les a trouvés, alors. OK, on va prendre une photo. Hey, j'ai une idée pour la photo. On va prendre les lutins. Puis, vous allez faire semblant de vous cacher derrière l'arbre avec les lutins, puis on va prendre la photo comme ça. OK, c'est bon? OK. OK, go! Elle a pas rien laissé dans le bas, des fois? Attends. Yeah. Non, il y a rien. Non, toi non plus, Damien, s'il n'y a rien dans lui à l'oreille, il n'y a sûrement rien dans celui-là. OK. OK, on va prendre la photo, OK? Oui. Go! Veux-tu que je t'aide à le sortir de là, lui? Faut pas qu'on brise tout. Bonjour, les enfants. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous avez trouvé votre lutin, on dirait? Mm-hmm. C'est quoi ça? Le savez-vous? Non? Mm. Damien, il a pas lu c'était quoi? Mm. Est-ce que tu veux lire, Damien? Ah ouais, donc. Tu veux pas? Pourquoi? Bon, t'es fatigué un matin? Pas assez dormi? Bon, je vais aller pour vous, OK? OK, c'est écrit. Petit jeu récompense. Vous voyez les papiers? Lisez les récompenses que vous pourriez gagner. Pliez les papiers et les joindre aux 6 autres déjà préparés. Pigez chacun une récompense que vous obtiendrez si vous êtes sage. Voilà, c'est ça. Fait que, est-ce que vous voulez lire qu'est-ce qui est écrit ici? Oui. OK. Jeu de société en famille. Jeu de société en famille. Parle fort parce qu'on entend du bruit. Aller manger un dessert de ton choix. Aller manger un dessert de ton choix. Soirée, cinéma, maison, gâterie. Avec des gâteries. Attends. Lequel? Jouer au jeu de mon choix. C'est parce que c'est en lettres attachées, mal écrit. Avec papa et maman. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez faire là-dedans? Ouais. Maintenant, pliez les papiers. Tous les papiers. Gars, ils ont mis du papier collant pour être certain que quand ils vont se transformer en toutou, qu'ils n'échappent pas le papier. Parce qu'ils n'ont plus vraiment de contrôle, là, un coup qu'ils sont devenus des toutous. Non, mais non, c'est pas un tirage, ça, c'est le règlement. Excellent. On ferme la boîte. OK, Damien, tu prends la boîte. Laurie en premier.
vu que c'est une dame. Vas-y, brasse la boîte, tiens le couvercle par exemple, c'est ça. Brasse-la de tous les côtés. Ok, parfait. Maintenant, Damien. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Ok. Là, maintenant, tu vas ouvrir le couvert. Laurie, tu fermes tes yeux. Ouais, ferme des yeux. Piche dedans. Piche quelque chose. Tu regardes pas tout de suite ton papier. Maintenant, c'est le tour à Damien. Puis sans regarder. Non, brasse, 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 brasse un peu plus que ça. Ouais. Et voilà. Là, maintenant, Damien, tu vas lire ton papier. Souper, c'est souper au resto de votre choix. Fait que là, tu as gagné un souper au restaurant de ton choix. Ouais. OK? Ça veut dire que tu vas choisir un restaurant. Puis quand tu vas être sage, ben tu vas avoir la récompense d'aller manger à ce restaurant-là. Laurie, lis ton papier. C'est une blague. Damien va t'aider, il va lire ton papier. Parce que Laurie, elle n'a pas appris à lire encore. Elle n'est pas rendue là. Aller manger un dessert de ton choix. Aller manger un dessert de ton choix. Est-ce que tu es contente avec ça? Fait que tu vas pouvoir, quand tu vas être sage, tu vas pouvoir choisir un dessert de ton choix que tu vas pouvoir manger ou aller quelque part pour le manger. C'est bien? Oui. Et voilà, c'était ça le jeu. Bye bye les petits chefs. Bye bye. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous êtes en train de déjeuner? Avez-vous vu les lutins? Regardez ça. Ils font une partie de... De quoi? Des dominos. Des dominos? Hein? Je pense que tu t'es trompé de jeu. Tic-tac-toe. Ah, tic-tac-toe, voilà. Puis là, là, c'est qui gagne d'après vous? Gribouille. Moi, je t'ai fait parler de la bouche pleine. Oui, c'est vrai. Puis même Bouffetou, hein, il a pas l'air très content de... On dirait qu'il se prend un petit peu la tête, là, parce que Gribouille va gagner. Hey. C'est drôle, hein? Ouais. OK. Vous êtes silencieux ce matin. Vous, est-ce que vous aimez ça, jouer au tic-tac-toe? Laurie, on a joué hier quand on a été chez McDo, hein? Tu te rappelles? Oui. Avec la petite boîte là du McDo qu'on peut déchirer puis faire un jeu de tic-tac-toe. C'est le fun quand ils font ça. Bon, je vous laisse manger. Bye bye les petits chefs. Bye les lutins.